Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, une vidéo à la demande d'Adeline. Adeline se demande pourquoi François Fillon a été aussi vite écarté dans la course à l'Elysée. On se souvient de cette affaire de costume, d'emploi fictif de son épouse. Mais bon. Bien sûr, ce n'est pas honnête, hein. je ne suis pas du tout partisan de ce genre de choses. Ni partisan de François Fillon, tout de suite, je vous arrête si vous pensez ça. Je disais, bon, parce qu'il y a eu tellement d'affaires que maintenant, est-ce que ça vous étonne des choses aussi... Euh, comment je pourrais vous dire ça Aussi petites par rapport à d'autres scandales bien plus gros. Et puis surtout, Adeline se demande s'il n'y a pas quelque chose du type DSK. DSK écarté, Hollande a pu être élu. Fillon écarté, le boulevard s'est déroulé pour un certain Emmanuel Macron. C'est ce qui interroge Adeline. Alors, regardons finalement pourquoi François Fillon... A-t-il été écarté aussi rapidement Quelles sont les causes Comment a évolué l'affaire François Fillon au sein des enquêteurs Il me semble que c'est le PNF. Ce que je cherche à savoir, tout simplement, c'est pourquoi ont-ils été aussi vite Donc comment l'affaire a-t-elle évolué au sein du PNF On devrait avoir ce qui va contre ici, peut-être des interventions, euh, j'allais dire de Sarkozy, mais non, parce qu'il n'aimait pas François Fillon. Donc, qui s'est opposé à, aux interventions du PNF Et là, voir qui est intervenu pour que ça aille plus vite. Le point de départ. Tout semble se jouer au cours d'un repas. Tout semble se jouer sur des petits arrangements entre amis. Nous avons ici une carte vénusienne qui représente l'amour, mais qui représente aussi la table, ces moments où on a ses amis, les gens que, que l'on apprécie, et que l'on parle autour d'un verre et d'une assiette. L'avenir de François Fillon, finalement, s'est joué au fond d'une assiette, au fond d'un plat, lors d'un dîner auquel il n'était pas convié, mais pour des gens qui s'arrangeaient bien entre eux. On aurait pu avoir toute autre carte. Des tensions. Des choix. N'oublions pas, François Fillon était plutôt quelqu'un Allez, on va dire proche de Moscou, peut-être pas à ce point-là, mais qui était plutôt pro-russe. On aurait pu lui reprocher ça, mais même pas. Même pas, ce ne sont pas ses orientations et choix politiques. D'ailleurs, si on se remémore le programme de François Fillon et celui d'Emmanuel Macron, c'est des programmes un peu similaires quand même, hein, assez proches, sauf sur la politique internationale. Là, nous avons une carte qui nous montre que tout s'est joué au fond d'un verre de vin. Je suis ironique en disant ça, mais c'est quand même ce que nous montre cette carte. Par contre, il n'y a eu aucune réflexion. On ne sait pas, on n'a pas mesuré, si vous voulez, ceux qui se sont arrangés n'ont pas mesuré la portée de leurs actes. Et là, vous voyez, nous avons une carte jupitérienne qui nous montre le temps, mois après mois, année après année, comme j'aime à vous répéter. Ici, elle est très intéressante, cette carte, parce qu'elle nous montre qu'en fait, personne n'a réfléchi à la portée de, du petit arrangement entre amis. Forcément, on y voit ici un arrangement DLR. Le propre parti de François Fillon lui a tiré dans les pattes. Mais à aucun moment ils n'ont pu mesurer ce qu'ils faisaient. Avec ces deux cartes, on imagine très bien un arrangement avec le camp Macron, le camp LR. Vous savez que en politique, tout se joue en coulisses. Et que chacun donne des, des gages à l'autre. Rappelez-vous, Juppé n'a pas voulu y aller. Juppé, qui est proche d'Emmanuel Macron à l'heure actuelle. Quand on met tout ça en perspective, on comprend mieux. Et on peut très bien imaginer le camp LR, le camp Macron dînant ensemble trouvant une astuce pour écarter plus vite François Fillon. Et ici, le reproche de l'oracle, disant que les LR n'ont jamais mesuré qu'en fait, il se n'est le glas de leur parti. En pactisant avec le camp d'en face, ils se sont tirés une balle dans le pied, et à aucun moment n'ont pris la mesure que tout ça allait se retourner contre eux car au final actuellement les lr depuis la chute de fillon ils ne représentent quasiment plus rien ils sont en train de fondre comme neige au soleil et regarder leur poids au niveau des députés il est quand même faible même si pour l'instant il faut encore la pluie et le beau temps d'une certaine façon en ne votant pas L'émotion de censure, ils ont arrivé à maintenir Macron, mais si on réfléchit un petit peu, le poids électoral se réduit, mandat après mandat. Ils se sont bien tirés une balle dans le pied. Et l'effet est très rapide. Le Conseil. Le Conseil aurait été, finalement, dans toute cette affaire, de laisser faire. Même le parquet financier n'aurait jamais dû s'en mêler. Pas comme ça. En laissant eux aussi sous influence. Le parquet financier a été au mieux manipulé, renseigné. Vous voyez, nous avons une carte encore jupitérienne, disant que tout ceci n'aurait jamais dû être fait. On aurait dû laisser le PNF avancer à son rythme. Et oui, effectivement, réfléchissons à ce qui se serait passé. François Fillon, vraisemblablement, aurait été élu. Nous n'aurions pas eu Emmanuel Macron. Aurions-nous eu un François Fillon blanc comme neige Non. Sûrement pas. Mais... Nous n'aurions peut-être pas tous les scandales que nous avons actuellement. Oh, bien sûr, on retrouverait Darmanin comme euh, comme ministre de quelque chose. D'autres aussi qui sont venus des DNR. Rachida Dati, bien sûr. Peut-être pas la culture. Mais vous voyez que il y aurait eu quand même une autre voie de prise. Quand on regarde sur cette enquête, nous avons deux choses. Les conséquences, le résultat, c'est une autre voie qui s'est dessinée. Une nouvelle voie, un nouveau chapitre. Nous avons, ou plutôt, le, les enquêteurs ont ouvert une boîte de Pandore. Ils ont ouvert la voie à un nouveau parti. Oh, bien sûr, il aurait existé, c'est vrai, mais jamais à cette mesure. Ont-ils réécrit l'histoire Non. Non, on ne va pas leur faire cet honneur. Mais en tout cas, cette affaire a suivi un chemin, et regardez ici au centre, nous avons là encore une carte jupitérienne, qui montre qu'il y a eu... Un appui il y a eu tractation ici mais ici au plus haut niveau il y a eu un appui une aide mais aussi de l'influence pour que toute cette affaire écarte définitivement françois fillon et c'est vrai que ça l'a grillé totalement encore une fois il ne s'agit pas de dire qu'il était innocent de ce qu'on lui reproche. Je ne suis absolument pas partisan de François Fillon, mais je remarque une chose. Il y a eu une volonté d'abattre cette personne rapidement pour laisser entrer un autre loup dans la bergerie. Voilà, j'espère avoir répondu à la question d'Adeline. De... Si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à le faire connaître la chaîne, c'est important. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur utervoyant.com C'est important, ne mettez pas en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous embrasse, je vous dis tous très bientôt.